caso erano bastoni per muovere il coso, quindi degli elementi che possono essere scenografici, eccetera, per fare delle cose grandi che vanno oltre la dimensione della persona, ovviamente. Traduzione. No, voilà, ci provo. Je disais que une chose que nous avons pas dit, que on peut utiliser aussi des choses techniques comme des bâtons, comme des marionnettes très grandes pour faire des choses grandes Visuel. voilà, Oui. qui vont Comme ça. au-dessus delle persone, Così. De grandes dimensions. Ah Sì, oui, aussi. già non è chiaro, sì. Ok. Bon, je vous conte un autre type Comme ça. de parade, velocemente, che nous avons fait pour faire un trasloco. Sì. Ah, un Un trasloco. Nous avons, comme compagnie Melarancio, nous avons changé de classe, no? De côté à l'autre de la ville. Et 2 mois avant, nous avons fait un call pour tous les artistes, aussi à toute la population. Et nous avons demandé de mettre dans une boîte, dans un scatolone que nous avons donné, tout de la même Dimensione. dimension, de Dimensione. mettre dedans leur idée du théâtre. Sì. Et nous avons eu beaucoup d'artistes qui ont travaillé et aussi beaucoup de citoyens qui ont mis dans La boîte. le boîte leur idée du théâtre. Après ça, devo tradurre in italiano? No. No, perché è Tu la così. conosci, tu lo sai già. Io lo conosco già. Ok. Et, 2 mois avant, nous avons fait ça et nous avons donné une date pour restituire, redonner le boîte avec le théâtre dedans. Puis nous avons fait un jour, un après-midi, avec une marching band, avec des gens sur les trampoli. Bello. Et nous avons fait 3 km de passage de boîte. C'était très léger, parce que une demande que nous avons fait, pas une chose lourde, parce que c'était 3 km à faire. Et pour toute la promenade, pour toute la parade, nous avons fait cet échange, Movimento, comme dans ah, un movie, voilà, come una catena? comme una Oh, che catena, bello! un pezzo di parata tutti insieme avec la marching band. E qui, dans les étapes, on va ouvrir le boîte, regarder dedans, parce que chaque boîte c'était une surprise, et puis changer. Et on recommençait, et nous avons porté 250 boîtes à le nouveau adresse. Et c'était pour nous, c'était une façon de communiquer notre déplacement, une façon de raconter qu'est-ce que c'est le théâtre dans l'immaginaire collectif, et aussi une façon de coinvolgere les artistes, mais aussi les citoyens normaux, aussi les enfants, aussi les écoles, etc. A ogni fermata, cioè quando vi fermavate, Bello. E il aprivate mio le la marching band che fece pezzo di musica, un minuto e mezzo forse, e dans cette période de musique, on faisait les échanges, on regardait dans le bois, je l'ai changé avec mon voisin, on regardait ensemble, blablabla, et puis Ah, on mais ce que je recommençait. voulais savoir, vous ne faisiez pas de. Ce qu'il y avait dans les boîtes, vous le regardiez seulement, mais ça, vous ne le sortiez pas sur le moment.
No, cioè, se c'era niente, un, te- se c'era non un testo, niente. Non è che leggevate il testo che c'era nella scatola. No, no, però se tu guardavi e vedevi un testo, te lo potevi leggere. Certo, ok, sì, sì. Quel momento lì te lo potevi leggere. Sì, okay. Poi che richiudevi la scatola, lo davi. Ok, ho capito. E gli ave volendo, un messaggio boata guarda. Sì, sì. Con vari... scatoloni del trasloco, qua c'è qualche foto. Con differenti messaggi dentro. Differenti non cose. Messaggi, è proprio un manchetto. Tu puoi fare degli esempi, perché si domanda qu'est-ce qu'il y a, par esempio, qu'est-ce qu'il y avait dans les boîtes, per comprendre. Ok, c'était de... Allora, quelquefois il y avait des écrits aussi, mais mis dans le boîte dans une façon artistique. O autrefois il y avait la conception du théâtre en tridimensionnel. Peut-être que des enfants ils ont fait le temps du théâtre et après ils ont construit un petit théâtrine avec les personnages de contes, comme de petites marionnettes dans la boîte. Des autres c'était absolument informali, come chacun pouvait raconter le théâtre, choisir une caractéristique du théâtre et construire, oui. Mais c'était joli aussi que chacun a pu s'emporter la boîte à la maison et créer dans la boîte pour deux mois. Restituirci. E combien il y a eu de boîtes? Ok. Combien de boîtes? 250. D'accord. E voi come avete fatto a dare questi scatoloni? Abbiamo fatto una call. Ah, okay. Cioè, se vuoi partecipare al progetto, vieni a prenderti la scatola. E poi la riporti. E poi la riporti. Erano tutte chiuse nello stesso modo, tutte si dovevano aprire nello stesso modo. E avevano una chiusura, cioè c'è stato un grosso lavoro. E quindi ne avete date 200 proprio. 250 e sono tornate tutte a te e ce l'abbiamo ancora. Bello. No, nel senso che poi le abbiamo esposte in teatro, poi ne abbiamo esposte di nuovo fuori, poi qualcuna si è deteriorata. No, adesso ne avremo una cinquantina, si è tenuto le più, però stiamo parlando del 2009. Hanno già 9 anni loro, quindi. Però è stato veramente bello, notevole. E il comune di Cuneo l'anno scorso ha trasferito la biblioteca dei bambini e abbiamo fatto un cordone di 800 metri, c'era tra la vecchia biblioteca e la nuova biblioteca, e abbiamo trasferito i libri, proprio catena umana. Facciamo la traduzione. Sì. Oui, a Pressa, la biblioteca di Cuneo, l'altra ne il fait del déménagement de la bibliothèque des enfants e nous avons fait une come si dice una catena un chaîne humaine des enfants pour 80-800 mètres de bibliothèque et l'autre et nous sommes partis avec le livre de la vieille bibliothèque pas tout nous avons fait c'est symbolique comme ça. Un peu différent de boîte, mais l'idée c'est... Che bello! La carreggiata. E poi pour moi, altre cose di parata, altre cose di parata, pour moi doit être la beauté. Quelque chose à voir. La bellezza. Bellezza. Qualcosa di bello da vedere. Cioè, se si fa qualcosa deve essere, secondo me, bello. Come voi definite il bello in una parata? Costumi, colorato. Colori. I costumi, i colori. Fiori. Anche. Fiori. La musica. Quindi musica, quindi per voi questi elementi sono elementi che compongono il bello? Sì, se vanno in armonia. Sì. C'è un elemento di armonia. Armonia. Nel senso che la questione armonica che è composta da tanti elementi che viaggiano tutti insieme è una questione importante non soltanto per la bellezza che è l'elemento principale di convocazione, un elemento importante di convocazione,
ma anche di accessibilità. Forse è meglio che qualcuno mi traduca. Allora, ok, quello puoi ripetere. Mi domandai ce que c'était pour nous le concept de beauté, donc il y a les couleurs, la musique, tout ça, mais en fait il faut aussi une harmonie en fait de tout ça. Un fatto di accessibilità. E che sia accessibile. Perché spesso ciò che è non volutamente disarmonico, disordinato, eccetera, è meno accessibile da chi è esterno. Mmh. Et oui, souvent ce qui n'est pas harmonique, même si c'est pas voulu, ça c'est moins accessible aux gens. Les gens arrivent moins facilement à regarder. La prima parata che ho fatto, forse ve l'avevo detto quando l'ho presentata del primo minestrone, c'erano anche degli studenti, anche un mio collega al tempo era proprio giovanissimo, adesso è diventato un esperto di parate. Et la première parata qu'il a fait, il y avait beaucoup d'étudiants. Dont un de ses collègues qui maintenant était très jeune mais qui maintenant est un expert. No, facendo la parata, come vi avevo raccontato, con tutti questi anziani che suonavano e alcuni studenti erano vestiti molto bene, molto eleganti. Il y avait des personnes âgées et plein de d'étudiants très bien habillés. E alcuni studenti hanno invece tolto le cravatte, se sono legate in testa, hanno iniziato a sventolare perché per loro quello era il modo di fare festa. E il y a pas mal d'étudiants qui ont enlevé la cravate et qui l'ont mis autour de la tête et qui ont commencé à agiter la cravate, ça, parce que pour eux c'était l'idée de fête. In quel momento è stato evidente che la gente ha fatto e les gens sont partis. Perché c'è qualcosa che può disturbare, no? Che sta al limite non della violenza, ma che può essere diventare aggressivo. Parce que c'était à la limite la frontière de spazio. Ouais. Parce que ça pouvait être à la frontière de quelque chose de pas violent mais si enfin de quelque chose d'agressif. Non tanto l'ordine, ma l'armonia delle componenti. Sì, e l'armonia delle componenti fa parte della bellezza, ma promuove tanto anche la partecipazione. Molto importante. L'armonia promuove, come si dice? Sì, quello che dicevo prima. C'est la répéter la même chose, parce que l'harmonie est importante. Promeut. Promeut, ecco. L'harmonie